Yo les gens, c'est Evo, j'espère que vous êtes tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, aujourd'hui il n'y a pas de facecam les gars parce que j'ai vraiment envie que vous profitiez du gameplay tout simplement. Donc c'est pour ça que je mets pas la cam et il y aura pas mal de gameplay comme ça où il n'y aura pas la caméra. C'est vraiment pour vous concentrer sur le gameplay. Et aujourd'hui franchement il y a eu donc une très grosse mise à jour d'un jeu que vous rappelez tous, c'est The Cunning. Vous allez dire ouais mais The Cunning c'est nul et tout. Mais écoutez, je vous promets, je viens de le tester, c'est vraiment incroyable. Toutes les modifications qu'ils ont fait sur ce jeu, il est vraiment incroyable. Alors en plus de ça, il est totalement gratuit, donc quand on l'avait payé avant, ben maintenant il est gratuit. C'est pour ça qu'on a donc des trucs spéciaux pour ceux qui l'ont acheté. On a des petits skins en plus. Donc il y a vraiment pas mal de trucs. Donc maintenant vous allez en fait tout simplement en jouant ou tout simplement en dépensant de l'argent, c'est au choix, vous pourrez avoir des points en haut, d'accord. Et ces points là vous pourrez les dépenser pour tout simplement acheter des tenues. Donc là quand on va dans les apparences et tout, vous allez voir avant ça existait pas. Donc on peut acheter tout simplement des cheveux, des trucs comme ça. Moi là je vais pas les acheter, on a des cheveux. Là exemple, ben moi j'ai mis une casquette mais vous pouvez changer. Vous pouvez mettre des masques, après bien sûr vous avez plusieurs sortes de masques, hein. Là regardez tout ce qu'il y a. Rien que dans cette catégorie là, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment le choix. Pareil pour les pantalons, tout ça. Regardez les pantalons, vous avez le choix. Ils ont tout simplement voulu remettre le jeu un peu en cause et ils se sont dit voilà, il faut ressortir un jeu. Alors ils ont essayé de se sortir The Cunning 2, mais The Cunning 2 n'a pas fonctionné, les gens n'ont pas aimé. Et tout simplement ils ont fait un remastered de The Cunning, le tout premier que tout le monde a, enfin quand ils ont sorti. Et le jeu est vraiment top. Donc on va lancer une game pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr vous connaissez les airdrops, c'est les petites caisses qu'on va avoir pour pouvoir ouvrir. Et dedans on aura des skins, des trucs comme ça. Voilà, on a même les skins d'armes, il faut savoir, ils sont juste ici. J'ai essayé donc les armes, exemple hop. Et là vous allez voir, il y a vraiment pas mal de skins. Bien sûr après il faut payer pour avoir des certaines armes. Mais franchement c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et le jeu est totalement gratuit sur Steam les amis. Donc là on va se lancer une game pour voir un peu à quoi ça ressemble et vous montrer même le gameplay du jeu. Et il faut savoir que si View Store, vous avez même un store juste ici où vous pouvez acheter des skins spéciaux. Voilà, c'est donc pareil, ils sont un peu inspirés de Fortnite, ce qui est normal, hein, c'est ce système qu'on aime tous. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez acheter des skins, 1500, ça je sais pas comment ils appellent ça, cette monnaie-là. On va regarder tout de suite, ils appellent ça des tokens, tout simplement, voilà. Donc 1100 tokens, c'est 10 euros à peu près, ouais c'est ça, 10 dollars, donc c'est un peu moins de 10 euros, c'est ouais, c'est 9 euros et quelques, je pense, un truc comme ça. Donc c'est un peu moins cher, mais bon. Après, c'est sûr, il faut attendre que le jeu remonte parce que c'est tout nouveau et il faut que les gens soient chauds pour y jouer tout simplement. Pas mal. L'entrée là, ça va être violent. Franchement, déjà. Ok. Donc là, on est sur une map. Donc il y a deux maps différentes. Donc on va essayer déjà de se farm quelque chose, je pense. Ok, on peut pas encore. D'accord. Allez, allez. Vous avez vu, regardez la map. C'est incroyable. C'est incroyable, je connais pas cette map. L'autre je la connaissais, mais c'est là. Voilà, parfait. On peut toujours faire des choses là-dessus. Oh. Oh. On va essayer de le tuer, je pense qu'on peut. Il me voit pas. Il me voit pas, lol. Je pense que je peux le tuer, donc on va attendre juste une seconde. Ça pète ça si ça touche le gaz? Non. Ah bon? Il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer, il y a quelqu'un qui est en train de s'étouffer. Vous l'entendez? Ou c'est moi qui respire là? J'entends quelqu'un, j'entends quelqu'un. Allez, arrête-toi, disparaît. Il m'a pas dit que j'ai tué quelqu'un, donc je pense qu'il a eu le temps de s'en aller. De toute façon, c'est quelqu'un, on va se fight. Oh, il est là. Je l'ai défoncé. Lol. T'avais rien en plus. Ah, ça va. Au moins une petite arme, tu vois. On veut du fight. Lol. Taser. Ok. Ouais. Je pense que le truc à distance c'est pas mal. Ça c'est quoi ça? On peut pas? Niveau vie je suis à bloc. Je sais pas si je peux mettre bien encore. Parfait. Du coup on va prendre, on va faire tomber ça. On va rester appuyé. Faut rester appuyé sur F en fait pour pouvoir prendre ce qu'il faut.
Le seul truc, c'est quand tu décales, tu ralentis. Ça peut être un handicap d'un côté. Allez, 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 open the door. Wayo, est-ce que c'est mieux ça ou pas? Franchement, le taser, je pense pas que je vais l'utiliser. Je préfère encore utiliser une arme qui coupe, quoi. Oh, ça, c'est bon, ça. Ça, il faut l'utiliser tout de suite. Hop, c'est un bouclier. Ça, explosive run. Mais tiens, tu sais quoi? Je vais déterminer, je pense. Non, il n'y a rien. Bon, bah allez, on descend. Déjà, on peut courir plus facilement. On se régène. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Merde, elle est où la descente ici? Je suis quelqu'un qui a personne parce que sinon ça fait trop mal le bordel. Hop. Vas-y. Est-ce que là il y a du stuff? Bon, la map elle est vraiment pas mal hein. J'aime bien moi. Oh, c'est quoi ça? Oh, une arme. Le medikit, je pense qu'on peut le garder. C'est quoi comme arme ça? Ah, c'est un alarm gun active. Emergency tracking beacon. Ah, mais c'est juste pour savoir où il est. C'est mieux de garder une arme. Ça, franchement. Ok, on a vu quelqu'un. Allez, allez. Mais attends, tu peux le toucher en fait. On a eu la même idée, gros. Perfect. Il avait quoi, lui, comme arme? Ouais, c'est pas ouf. Bon, ça c'est nul, hein, je saute tout de suite. Voilà, parfait. On peut sauter ou pas? Non, ok, on peut pas. On peut pas monter. Son arme, elle était pas ouf, par contre. Wow, ça pète. Qu'est-ce qui se passe en haut? Ah, je sais ce qui se passe. Je pense qu'il y a un drop. Ah, c'est du fun barrel. Ça fait longtemps ça. Vite, allez, 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 allez. Hop. C'est ça. Normalement, c'est pour le dépenser là-dedans. Ça, c'est quoi? Recycle. Funk for life. Ouais, c'est ça. Là, tu gagnes de la vie en fait grâce au funk que t'as trouvé. Oh, il y a quelqu'un. Je crois pas qu'il a d'armes donc. Il m'a pas vu, lol. Viens, viens, viens. Je peux pas mettre de la vie. Oh, je suis à bloc là. Vas-y, j'y vais. Allez. Voilà. Putain, il m'a fait mal avec son truc lui hein. Ah mais j'ai pas pris cher. Je sais pas ce que c'est ce truc tout feu tout flamme là. Je vois tout enflammé. Je sais pas ce que c'est du tout. Je sais peut-être pour pas sentir les dégâts. Je sais pas. C'est une sorte de boost. Y'a quoi dedans? Ouais. Franchement je préfère ça je pense. Ouais. Donc on va garder. Là qu'est-ce qu'il y a? Vas-y fais-moi. Oh. Arbalète des familles. Vas-y, je pense que... Combien elle fait en dégâts? Dommage, 8 à 24. 8 à 24. Je pense. Ouais. On va poser l'autre parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu peux pas bien te protéger. Au moins que celle-là, tu vois, on est pas mal. Attends, on est en train de perdre toute notre, tous nos bonus, ça y est. Là, on est en train de perdre nos bonus. Je sais pas combien on est. Combien on est? J'ai fait 3 kills, il reste 3... Il reste 6 personnes. Ok, ok, ok. Putain, le jeu se fait bizarre de le revoir. C'est un truc de ouf. Mais il a été amélioré, il était pas comme ça avant. Il est pas mal, hein, franchement. Viens là, viens là, viens là. Mec, il avait pas d'armes. Oh, il est increvable. Oh, yeah. Ça, c'est quoi, ça?
Mais il est plus... Ah ouais, il m'a tapé avec ça, ça va pas le faire. Par contre, il reste une flèche. Ça va pas le faire par contre. Comment on peut... Ah mais je crois qu'il y a des trucs pour recharger les munitions, je pense. Mais on va prendre ça. Viens. Ah, s'il y a des gens en haut, ils sont morts. Viens ici avec ton arc. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Oh le bâtard. Allez. Mais meurs, allez meurs. Wow, nice. Il m'a pas fait si mal que ça en fait. Quand il pense, ils me font pas mal. Je crois que je suis costaud là. Là je suis bien tu vois. Est-ce que tu penses que ça il est bien chargé? Oh il en a 9. Avec 9 je pense que je pourrais faire quelque chose tu vois. Loot Express, Package Delivery. C'est bien ce que je dis, il y a un truc. Mais je le vois pas. Combien on est? 3, 4, il y en a plus que 4. Ça va, on est pas mal. Allez. Oh merde, j'ai mon stamina qui est baissé. Il y a quelqu'un. Oh. Comment on annule? Ah non. Il veut me toucher avec sa fléchette là, je sais pas quoi. Ouh. Allez! Bah, mon pote, sorry, hein. Faut que je fabrique des flèches. Il me faut du bois. La zone se rapproche quand? Ah, mais ok, ça, il reste 11 minutes de jeu. Mais à mon avis, à l'allure où ça va aller plus vite, hein. Lui, il a quoi là? Ok, couteau. Bof, c'est pas. C'est pas si ouf là. Parfait. Parfait. Ça c'était quoi déjà? Là je crois qu'on est bien. Elle est bien. Ça y est, ça va commencer maintenant je pense. Ça. C'est possible qu'il y en a qui a des guns, hein. C'est possible largement. Allez, dépêche-toi. Est-ce que je peux ouvrir un coffre? Non, je peux toujours pas. Tu vois, cargo drop pad. Y'a quelqu'un? Oh! Merde, j'arrive pas à les plus. Allez, ouvre tes bras. Quel bâtard. Allez, ouvre. Allez, viens. Non. Allez. Il attend que je tape, le con. Non, moi, il faut jamais tourner le dos. Oh le bâtard! Putain, il veut que ça! Il arrête pas de me suivre! Il se cache! Attends, c'est le seul ou pas? C'est le dernier! Allez! Oh! Ah, mais il a pas arrêté, hein! C'est bloqué jusqu'au bout, le mec! Ah ouais! Il m'a fait signer!
Yeah, winner. Yeah, les gars. Propre. Ça, c'était de la game, tu vois. Ça, c'était de la game. Ça va, c'est pas mal. Franchement, le jeu est beaucoup mieux qu'avant. Il est beaucoup mieux. Même la fin, tu... T'as les marques et tout, genre qui sponsorisent et tout. What the fuck. Ouais les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc une représentation en gros de The Killing. Comme je vous l'ai dit, The Killing s'est beaucoup amélioré. Et moi j'ai bien aimé la game. Je me suis même quand même un peu éclaté. Après bon, il n'y a pas non plus trop de joueurs. J'ai attendu un bon petit moment pour trouver des gens pour faire la game. Bien sûr, c'était ma première game et j'étais content d'avoir fait le top 1, quoi, c'est top. Mais franchement, le jeu s'est très bien amélioré. En plus, il est gratuit, je vous conseille de le télécharger pour essayer un peu à quoi ça ressemble et tout. Et ça change un peu de Fortnite et tout, de changer un peu de Battle Royale, tout ça. Et The Killing, franchement, ça redonne un petit coup de boost. Je trouve ça que c'est bien. Ça change des autres Battle Royale et c'est cool. En tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas vraiment le pouce bleu. De laisser votre avis dans l'espace commentaire pour savoir un peu ce que vous pensez du jeu et tout. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Evo. Peace to everyone.